Radio Télé Pacifique, l'unique transparence, la seule, la vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. Dès mon réveil, pour un meilleur start-up, je me branche 101.5 Radio Pacifique. Il est 7h, bienvenue dans Pacifique Matin. Nous sommes le jeudi 24 septembre 2020. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Un plaisir de vous retrouver ce matin pour la quatrième sortie de Pacifique Matin pour cette semaine. Bonjour Moïse. Bonjour Danger, bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour Olivier, bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bien bien l'axe. Eh bien, ça gagne l'actualité matin. Situation de tension en fin d'après-midi du mercredi 23 septembre à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif suite à l'irruption intempestive du ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Joiséus Nader, à la dite cour. Les employés de la CSCCA qui n'ont pas apprécié les derniers propos de Joiséus Nader à l'encontre de l'institution l'ont accueilli avec froideur. Pendant ce temps, le président de la République, Jovenel Moïse, interviendra le jeudi 24 septembre à la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. En raison du coronavirus, exceptionnellement, les chefs d'État et de gouvernement participeront virtuellement à cette grande messe diplomatique mondiale. Et présentation ce mercredi du système de gestion informatisée des cas judiciaires par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de concert avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, et une démarche qui permettra de suivre l'évolution des dossiers dans la chaîne pénale, mais aussi de protéger les données du système judiciaire. Et enfin, la Banque de la République d'Haïti a procédé ce mercredi au lancement d'un fonds de soutien aux coopératives en vue d'aider à la croissance de ces entreprises. Les coopératives revêtent une importance capitale dans le système financier haïtien, selon le gouverneur de la Banque centrale, Jean-Baden Dubois. Et à l'étranger, au Bélarus, le président Loukachenko prête serment en secret au nez et à la barbe de l'opposition. Voilà pour le menu de cette édition. Nous savons très bien que, en l'absence de Jacques, il n'y a pas de billet, mais nous reviendrons après pour le développement de ces titres et de bien d'autres informations.
Il est 7h05, bienvenue au développement de cette édition. Nous rappelons que cette édition est rédigée par, ce journal est rédigé par Mario Sylvain et Noclès Debréus, mise en onde par Olivier Bouchereau et présenté par Jean Fouchard d'Angers, Moïse Saint-Eloi et Jacques Amboise. Un plaisir de vous retrouver pour cette quatrième sortie de Pacifique Matin et d'Angers Noirfort. Oui, nous en forme, Moïse. Malgré tout, nous en forme. Mmh. Oui, nous en forme. N'est-ce que dormi pas trompé? Non, pas comme ça. Donc, et j'ai annoncé, donc hier soir, hier après-midi, et pardon, tu es en situation de panique au niveau de avenue Christophe, particulièrement devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, côté que ministre Travaux publics, Transport, Communication, Joiseus Nader, il fait une irruption intempestive dans la Cour supérieure des comptes contentieux administratif, d'après Rogaville Boisguéné, qui à peine élu, même Jouyel, hein, qui à peine réélu, notre tête CSCCA, t'a dit que les pas invité ministre est rentré sans aucune invitation, sans avertissement. Il avait débarqué à la Cour des comptes avec des hommes lourdement armés ainsi que des personnes qui filmaient, selon les propos du président de la CSCCA, Rogaville Boisguéné, qui, pris de panique, avait appelé la population à l'aide. En réaction, M. Nader a sollicité des renforts, ce qui a valu la présence du premier ministre à la Cour des comptes en situation de panique, et même gagné des militants qui ont même été venus devant Cour des comptes pour tépoter soutien avec M. Rogaville Boisguéné. Bon, nous disons ça, son soubaille qui est un petit genre fragile et par rapport avec un antécédent qui était déjà gagné entre ministre TPTCA, ingénieur Joiseus Nader et président et Cour des comptes là. On a parlé de M. Rogaville Boisguéné. Maintenant, par rapport avec toute la situation qui était gagnée entre deux messieurs, eh bien, je vous dis à la hier après-midi, et ministre TPTCA a décidé pour être capable de poter le dossier li en bas. Maintenant, poter dossier en bas, eh bien, nous connaissons comment la situation lui-même est compliquée et pas bon ici. Une situation qui est difficile et parce que nous-mêmes, et cap suivi, il y a deux versions qui dans la rue. C'est version ministre PTCA avec version président et coup des comptes là, M. Rogaville et Boisguéné, que parce que n'a pas gagné possibilité pour nous et permettre à ce que nous soyons capables d'étendre et au cours de l'édition ça. Et matin, Rogaville Boisguéné qui lui-même t'a expliqué comment ça lui-même l'a fait. Mais un peu le monde a posé cette question pour qui ça, c'est pas messager qui lui-même t'a poté. T'es poté et documents bail et coup de compte qui c'est document contrat qui était supposé bail Moïse. Oui, il faut que nous disions tout le temps, même journée, il y a là le conseil de la CSCCA a élu un nouveau bureau à la tête de la CSCCA pour l'exercice 2020-2021. Il est composé de Maître Rogaville Boisguéné, reconduit pour un deuxième mandat présidentiel, et de Maître Marie-France Mondésir comme vice-président. Président. Et d'après ça, que CSCCA a publié sur compte Twitter, dit la CSCCA continuera d'appliquer la loi en veillant aux intérêts de la nation selon les attributions financières et administratives auxquelles elle est sujette. Voilà pour ça que CSCCA lui-même l'y mettait dehors après élection qui fête hier, et c'est même journée hier là que ministre Nader lui-même l'était pointé et tête li dans CSCCA sans aucun avertissement. Et d'après ça, M. Boisguéné fait qu'on ait gagné des hommes lourdement armés qui étaient accompagnés et gagné tout des personnes, bon, qui t'a soi-disant et des journalistes qui présentaient Tetio comme ça, qui est présenté avec caméra Nameyo, une façon pour capable filmer M. Boisguéné, qui dit qu'il a cherché, qui était obligé de faire appel avec un juge de paix, une façon pour être capable de faire constat qui ça exactement Mounio t'a filmé et qui ça il pourrait le faire avec. Bon, et même parce que, bah, ça, c'est son, bon, en tout cas, c'est un cousin dans la République là, et malheureusement, nous sommes une République qui fonctionne avec un pilsin et qui fait et pas bon, ici, et très souvent. C'est que chaque monde est supposé prendre part de responsabilité ou par rapport avec réalité.
qui gagne dans le pays et genre situation présentée et bah, c'est que c'est clair pour que nous capables d'assurer prend responsabilité nous et là maintenant tout n'a pas gagné possibilité pour nous essayer jeunes et ministre TPTCA après que nous finissons passer extrait et président et couleur contre là vous c'est ça monsieur a parlé il parlait et il va version parler et bah, c'est que et version il est important pour nous jeunes mais c'est capable difficile parce que quand pile monde capable relé monsieur a et maintenant pour être capable de communiquer avec lui autour de ce dossier. Monsieur Bouagene qui encore une fois exigé qu'il y ait une excuse et bon, même moi c'est que c'est bon là et on a quitté monsieur autorité l'état ou dirigé une question entre eux et que aucune responsabilité eux que chaque monde et rentrer dans ça qui concerne eux. Est-ce que José Usnader c'est meilleur peuple monde qui est capable de porter dossier à aller? C'est vrai que me donner le parler matin avec un consoeur de question contrat avec General Electric qui était pour sécuriser ça en bas. Mais maintenant, est-ce que c'est lui-même qui était meilleur monde pour être capable et aller dans coup de côte? Mais on se bat en forme, Olivier. Et bon, oui, et nous permettons que nous sommes capables de suivre la déclaration et président et coup de côte, Rogaville et Bouagene. Et après et intervention ministre, et après, pardon, nous sommes capables de dire ministre et travaux publics, là, t'es fini quitter l'espace là hier après-midi. Moi, je suis dans le bureau, moi, ensemble avec notre conseiller, on a échangé, et puis, assistant, je viens informer que le chef de sécurité a annoncé gagner le ministre Nader qui vient dans le courant. Il me dit, mais quittez l'entrée. Il a quitté l'entrée, mais il a insisté pour l'autre monde qui accompagne, des journalistes et des gens qui ont une caméra dans la main pour entrer tout, et des gens qui étaient armés qui n'ont pas uniforme la police. Immédiatement, je suis arrêté pour me garder, est-ce qu'il a demandé pour moi? Il n'a pas demandé pour moi. Deux minutes après, moi entendu gagner un vacame dans zone que nous décrétons dans quoi qui est zone stérile côté qui traitait contrat centre de traitement de contrat. Lors d'une déposition contrat dans quoi gagner plusieurs étapes. Nous gagnons une réception, il y a deux réceptionnistes là-dedans, ils recevoir dossier à pour accuser de réception. Les réceptionnistes fin pour accuser de réception, on prend le aller. Réceptionniste là, nous continuer faire parcours, faire cheminement pour dossier arriver côté pour arriver pour traiter. Moi-même c'est parmi mon dès que dossier arrivé là même en dernier. Les nous déplacer dans le garde, nous le ministre Nader, il gagne plusieurs mouns avec, notamment des mouns qui avec caméra, avec effigie TNH, de Téléguinée, et bien l'autre monde qui a une caméra dans le monde, qui a un téléphone, qui a fait photo, qui a fait vidéo, que nous pas identifier. Il y a plusieurs mouns avec qui en civil, qui lourdement armé, et mouns ça yo yo cagoulé. Yo pas gagné uniforme la police yo pour dire est-ce que c'est sécurité ou bien c'est, est-ce que c'est policier qui accompagne. Moi dit ministre, ou pas ta faire le comme ça. Et l'arrivé juste dans la dernière étape là dans le bureau madame qui c'est responsable service contrat dégage lui pour n'importe quelle étape pour arriver là il a pris photo tout le monde qui a traité contrat il a pris photo tout responsable qui pour analyser et traiter contrat et dans zone Zamzodou c'est là nous gagne tout dossier sensible dossier pétrogari bien déposé là dossier contrat quel que soit contrat dans des capacités dans pays à 2029 pour bien déposé là il a prend des images il a prend des photos donc l'aime vient dans situation ça et puis employé levé gampé moins obligé relé premier ministre pour me dire premier ministre mais qui situation qu'a développé les ministres conseil des ministres me dit bon au contraire sous le conseil des ministres ministre Nader t'a lui parmi monde qui dans conseil des ministres tout l'aime expliquer ça dit me la relé effectivement 2 ou 3 minutes il relé dit me comment situation il me dit PM moi obligé passer service sécurité l'autre pour fermer barrière là parce que il y a monde qui commence vienne devant la cour et il y a des monde là qui cagoulé qui gagne zame là mais qui pas gagne comme la police, yo prend des photos, yo prend des images, moun ki ap travay nan kwa, yo pa konnen a ki fin, et moun sa yo, sa ka rive demain matin, mi pa vin travay, après demain di mi pa vin travay parce que gon phénomène d'insécurité ka fè rage nan peyi a. Mou automatiquement mwen relonge juge de paix, mwen fè juge de paix a vini, juge de paix a verbalisé pou gen son procès verbal, pou tande employé yo, pou gade côté ministre arrivé et juge de paix a gade tout machine pa gen plaque, et le gade tout gen des moun ki te kagoulé et moun ki t'ap prend photo, t'ap prend image yo, mwen fè juge de paix attendre yo tout. Rassurez-nous que qui ça va le faire avec vidéo ça avec image ça et premier ministre il est venu il parle avec moi même avec conseiller Neil Garçon qui là et puis ensuite là nous fait échanger lui monter machine ministre Nader là parle avec elle par contre qui ça va échanger là après dit nous ça que faciliter la tâche pour ministre qui était espace là et le moins suis service sécurité quoi qui permettre que ministre Nader qui était espace là maintenant cette discussion tu t'es dans tête tout est après ministre ça dit bon premier ministre une fois de plus il dit que il présente excuses lui
ça sont une situation qui vraiment est regrettable parce que pas souhaité pas penser ça tout arriver parce que dans toute institution les mêmes tous les ministres les premiers ministres les ministres et planification donc c'est pour la première fois moi-même depuis maintenant pour des comptes pour un ministre à déplacer viennent faire le minimum là qui depuis ça viennent déposer dossier côté dossier alors que des messagers des points focal qui assurent des suivis avec toi voir débarquer à l'instar de Tibobo à l'instar de Bobpet loup de Mahamé avec des monde cagoulé loup de Mahamé et a franchi tout espace qui sensible en dans institution sans autorisation ni moi-même d'abord dirigeant institution ni vice-président ni un conseiller ni chef sécurité avec des monde cagoulé loup de Mahamé à prendre des photos avant d'enregistrer des images n'a demandé et au niveau national et au niveau international pour prendre acte et prendre note que la Cour supérieure des comptes est dans l'œil du cyclone. Donc nous-mêmes nous voulons rassurer nous que nous avons une institution qui a fait travail dans les limites de la loi. Ben, voilà pour les déclarations du président de la Cour des comptes, Rogaville Boisguéné. À présent, nous allons vous permettre de suivre un extrait de déclaration de journaliste qui était présent sur place. Selon ses déclarations, il a été agressé verbalement par des employés au niveau de la Cour des comptes. Écoutons. Dans la Cour supérieure des comptes et que nous commençons à faire une image depuis le cortège jusqu'à ce que lui vive en dedans et maintenant le ministre de TPTCA descend la machine et que rentrer jusque là, on a fait image, nous rentrer en dedans en cette là et que pendant nous monter en marche escalier, nous toujours fait image, arriver à un espace et que il y a des employés qui disent non et pas rentrer là et sortir. Et c'était fait et que nous sortis et humblement et sans bruit, sans compte et que nous descendons de marche escalier. Arrivé sous la cour et là nous voyons que gagner plusieurs employés, pas qu'à compter, on va faire erreur, mais nous étions vraiment nombreux qui viennent maintenant en agression et sous nous-mêmes. Et nous disons agression, m'a précisé. Ce n'est pas agression verbale, mais c'est coup et que des employés qui sont en dedans qui commençaient à brouiller sous nous, pousser, bousculer ensemble avec la caméra. Et qui donc, si ce n'est pas vigilance, on a bousculé, qui donc nous devons tomber ensemble avec la caméra, mais ne pas tomber et que nous camper. Et par la suite, et que et après toute agression physique qui a pu faire sous moi, et même verbale. Et que gagner une responsable qui paraît et qui dit à la mère, monsieur le journaliste, est-ce que vous êtes capable de parler ensemble avec vous? Nous disons, les gens que nous faisons là, nous retirons la caméra qui était dans le coup. Là, nous sommes disponibles puisque la côté agression que nous avons fait là, c'est lui-même qui vient de passer maintenant pour nous capable d'éviter que le pire dérivé. Le responsable a dit, bon, est-ce que lui est capable de faire un petit parler ensemble avec moi? Que alors, je ne vais pas songer non. Et mais elle a été identifiée, mais le moment, je ne vais pas songer non, échappé, mais je trouve que c'est soit chef, cabinet, quelque chose comme ça. Et qu'il dit, bon, le fait que la situation est produite comme ça, nous un message sur et que comme si vous parliez ensemble avec nous et lui reconnaître vraiment que nous avons subi agression de la part du employé. Il dit bon et son fait normal et que ça t'est capable de vivre comme ça bon et lui-même lui dit bon et va excuser nous et comme ça verbalement qu'il dit ça en passant et que va excuser nous c'est ta réaction peut-être que l'autre employé qui t'a peut-être dans l'autre boîte tout est bien ok pas de problème et que il dit comme ça bon et juste pour nous capable peut-être l'été employé qui est peut-être frustré pour présence nous-mêmes qui est là est-ce que nous capable nous et support que il était filmé et bien sans but sans compte et que m'a montré que une zilette et image que m'était fait sous support maintenant une fois que une zilette support mais tout avant que une zilette il était dit bon ça pas nos compétences il pas technicien et que le doit reler un technicien qui capable visualiser et est-ce que moi dit maintenant vraiment bon, la chercher technicien il venir devant moi reformater les supports que j'ai filmé et me gagne d'autres bagages que j'ai gagné d'autres vidéos que j'ai gagné sur support qui est dans maintenant bon juste pour éviter une discussion et ou bien l'autre problème et que et sans problème tout ça que j'ai gagné sur support là maintenant c'est par la suite que j'ai dit et que
technicien qui était là a montré que il n'est pas satisfait et que il dit que la caméra a peut-être gagné le support. Puisque là, toujours, il a quelques problèmes. Mais il n'a toujours pas ailleurs le chef cabinet qui était identifié le conseil et qui était venu laisser ça là, écouter nous ensemble avec les techniciens. Là pour te visualiser tout ça, j'en ai besoin. Lui quitter ça là, lui aller, bah ouais, encore peu de temps après, et puis c'est présence du juge de paix qui vient en dans ça, le côté que nous-mêmes nous payons. C'est présence du juge de paix qui vient pour nous, on dit, et fait constat. Voilà, nous sommes d'écouter et déclaration et journaliste Sarah qui lui-même a été présent hier dans le cours des comptes et par rapport avec question contrat et bien ça qui va être goûté chargé et dans la République là. Et j'ai annoncé depuis hier qu'elle n'a pas parlé et matin avec le professeur Jacques-Ner Auxilus et par rapport avec plusieurs dossiers. Qui gagne dans la République là, une République et chaque jour, c'est ainsi ses principaux qui a violé pour M. Auxilus. C'est bonjour, merci en pile pour disponibilité ou et bienvenue sur Antenne Radio Pacifique. Eh bien, bonjour, M. Fouchard. Bonjour à tout au large auditoire de la Radio Télé Pacifique. Et bonjour, Côte de Fer, bonjour à la Bazoche. Bonjour aux étudiants et à toutes les forces vives de ce pays. Merci de l'invitation de ce matin et salut diaspora à tout le monde. Mm-hmm. Et puis, c'est parti pour une belle émission matin, donc merci pour l'invitation. Hein. Et nous souhaitons que le pays a les moins divisé que j'en ai à après nous faire une émission. Ça. En dessous de ça, et pour M. Auxilus, je dis à la... Et l'homme de loi et que vous êtes, à chaque fois où est que la loi a bafoué comme ça, et ceci par les plus hautes autorités de l'État, dernièrement, c'était déblosaille entre le ministre PTC avec le président Coup des Côtes. Hier encore, c'est le ministre PTC qui est rentré Coup des Côtes, et le président après les radios, mais des populations. C'est comme si, à chaque fois, nos situations pour des décisions t'apprennent, eh bien, c'est comme si l'autorité, c'est. À la population, il a fait face. Qui ça a le droit et devenir dans la situation, ça a souplé? Aussi simple que cela, nous offrons un scandale. Et là, nous offrons peut-être un scandale comme ça. Pas qu'une personne qui a tiré profit là-dedans. Et au final, c'est la République là que nous avons touillé. Et en tuant la République, nous tuons nous-mêmes à petit. Et malheureusement, la population qui a payé conséquences, résultats, ça y est, il souvent gagné. Je dis à la. Vous remarquez tout, on va être très singulier pour nous souligner. Et nous avons gardé ça tout. Et nous souhaitons que nous, tout le pouvoir public, pour ça que là, prenons un tiron de ça. C'est qui ça lié? Un président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous t'a capté. Hein? Alors, pas oublier que le conseiller de la Cour des comptes, c'est un juge que lié, oui. Voilà le président de cette haute institution indépendante. Qui ça va le faire? Il fait un appel au peuple. Il appelle la population à venir lui porter secours dans une situation difficile. Marquez ça, oui, messieurs, dames. Marquez ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, si nous avons un exemple toujours, qu'en tout état de cause, c'est à peuple à faire appel. Attention, hein? En tout état de cause, c'est à peuple à nous faire appel. On haute autorité, mais c'est à peuple à faire appel. Parce que situation, hein, l'étape dépasse. Est-ce que c'est parce que m'pakwe c'est mon armée qui va taguer suffisamment, non? M'pakwe ça, non? Ben, voir une situation côté que c'est le peuple maintenant qui pouvait jouer le rôle. Donc, peuple ça, pour nous, tout qu'on est dans le quel soit niveau nous, pour nous mettre nous, pour pouvoir nous. Au service. Je dis à la, et professeur,
par rapport avec le président républicain Jovenel Moïse, qui supposait et garant bonne marche et toute institution dans le pays, nous avons l'impression que le président républicain dit et il a pris des décisions. Des décisions qui niaient l'existence des lois de la République et des décisions qui ont empiré la situation et pays par rapport avec Jean Déjaillé. L'organe bagaille, ça, qui sont dit tête ou de loin? Bon, moi, je dois déjà. Donc, la République a enfoncé, nous offrons un spectacle, nous offrons un scandale. Et au point que même nous-mêmes, déjà, nous ne prenons pas au sérieux. Et donc, pour que aucun monde ne va prendre au sérieux du tout. Et là, me dit ça, moi, dit nous, on parle de tout pays à net. Bon, maintenant, quand tu parles du président de la République, et là, m'a fait une décantation. Disons, m'a fait une remarque. Remarque là, c'est que le président de la République n'est jamais seul, hein. Attention, et il ne peut pas être seul. Moi, je crois que, comme nous baillons bénéfice du doute, nous baillons bénéfice de bonne foi, mais le président de la République, il n'est pas seul. Je ne parle même pas de conseillers, de conseillères lui entourés, non. Il n'est pas seul en ce sens que... alors, il n'est pas seul en ce sens que... Mais il y a l'autre pouvoir qui existait. Par exemple, le pouvoir législatif, même si il est frappé dans dysfonctionnement, dysfonctionnalité, et à partir du moment que pas gagné une chambre des députés, mais attention, en réalité, il y a toujours le Sénat qui siège en permanence, même s'il n'a pas gagné quantité de monde pour gagné. Bon, à partir de là, qui s'écrivait, et ou pas qu'à gagner, alors je parle de reste Sénat, bon, quantité sénateur qui était. Mais il n'y a pas qu'à dire contenté, comme si puisque pas gagné chambre des députés, et que donc pas gagné et quantité sénateur. Il n'y a pas de commenter comme si des gens qui cassent ça, comme si des gens là seulement. Non, mes amis, ça c'est un côté, je pense que il y a même tout d'abord fait sentir que existait. Faire sentir exister, c'est pas pour créer plus d'antagonisme dans la société. Vous voyez bien? Parce que ça nous parle de nos comptes. Chaque fois que nous commettons actes irritants, ça, vous voyez bien? Nous venons créer plus d'antagonisme dans la société et nous venons faire que nous plus pas qu'arriver. Oui. Et c'est ça, oui, les conséquences-là. Donc, à partir de ce moment, on peut aller comprendre que nous offrons nous comme un spectacle, nous venons faire que nous venons plus difficile pour la société à vivre. Donc, c'est des bagages comme ça. Mais maintenant, est-ce que tu restes dans ça, et Jean-Aurélie là? Et action était qu'à poser par rapport à toute situation difficile, ça n'a vu dans le contexte à la Jodia, ce n'était que des actions symboliques. Écoutez, symbolique, mais quand même, c'était un scénario, symbolique ou bien. Parce que ça qui arrivait, nous tellement créé antagonisme dans la société, nous tellement flairé dans la culture de l'agression, la culture de l'agressivité même. Comme si gain des rôles pour nous ta jouer, nous piquons que si nous pas gain, comme si nous pas agressif, même dans ce sens négatif terme, nous pas ka jouer. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui est élu, qui est arrivé à être sénateur de la République, mais mon Dieu, dans quel niveau pour le pas ka fonctionnel? Alors là, moi-même, moi, je veux dire, si un sénat chrétien a toujours joué un rôle, un rôle qui est toujours agressif. Les caca ont un rôle pour souligner à l'attention de l'autre pouvoir. Les caca ont un rôle, l'aime de souligner à l'attention de l'autre pouvoir. En matière législative, en matière de gardien de la Constitution, en matière aussi, de protection de la population par le pouvoir public. Parlement, c'est le premier indiqué. En sorte que qui s'empêche de jouer rôle, même si son tiers qu'elle était. Comme moi, je dis, agressivité, il n'est pas en état, peut-être, pour le faire, parce que bon niveau, ouais, qui arrivait, par exemple, il est au niveau, ça, niveau interpellation, etc. Bon, mais ce n'est pas uniquement ça qui fait le cas de pouvoir de contrôle. Naturellement, mettez cap sous,
législatif là. Mais de l'autre côté, peut-être qu'il l'a fait. Alors là, si je ne pas songer, m'a pardonné. Vous avez le fameux pouvoir judiciaire aussi, ok? Réuni, concentré à travers le CSPJ. Ben écoutez, qui gagne un rôle quand même de pouvoir public en soulignant à l'attention, en démontrant, parce que lorsqu'on pouvoir public, on compte d'être envers la population. Ne serait-ce que pour éclairer l'antenne, pour faire comprendre ce qui a passé, et c'est ça. Même à un troisième niveau, au niveau de l'exécutif lui-même. Écoutez, lors d'un niveau exécutif, ça ne veut pas dire non plus, là, moi-même, à reprocher culture d'agressivité. Il faut que ce n'est pas agressif, ou vous voulez pour toujours agressif envers qui compte, envers la population, non. Pour qui ça? Parce que quand on dirige, voyez bien, quand on dirige, vous savez ce qui dirige, c'est la sagesse qui dirige. Et pas d'aucun côté dans le monde, c'est la sagesse qui a dirigé. Oui. Pas un côté dans le monde que c'est pas sagesse qui a dirigé. Même lorsqu'on parle dans la guerre proprement dit, c'est avec la sagesse que vous partez en guerre. Allez voir maintenant un petit peuple paisible que nous avons dirigé, hein, qui est déjà divisé par un pile antagonisme historique, déjà social, politique, qui n'est pas daté d'aujourd'hui. Je pense que dans une société comme ça, eh bien, faut nous gagner. On a plus volonté pour que nous réduisions d'antagonisme. Et ça pourrait le faire que nous montrer qui place nous par l'homme. Hein, comme toute politique qu'a fait, c'est au profit de l'homme pour le faire. Ça montre qui place que nous par l'homme. Donc, on a diminué l'irritant. Moi, je pense que c'est un petit bon bagage. Nous pourrons rentrer tout à l'heure dans les questions qui sont pour avec le pouvoir exécutif. Là, mais pendant que nous dans le Parlement et le professeur Auxilus, je dis à là, c'est comme si. Bon, Parlement n'a dit pas exister en quelque sorte et par rapport avec. Et surtout pas exister à ça que fait ça, parce que dans la culture d'agressivité, nous voulons qu'un BA, même Parlement lui-même lui rend compte comme si c'est quantité à le pas gagner pour le tagon rôle, alors que ce n'est pas vrai. Dans la culture, on t'a dit de les populations évoluent bien. Dans la culture de vouloir réduire l'antagonisme. Dans la culture qui gagne respect au pouvoir pour l'autre. Dans la culture côté que, ou établi, ça peut être, d'après le dit non, l'autre question, ou même, ou ainsi de me dire, dans ce qu'on appelle la culture de l'ossature républicaine. C'est comme moi, tu prends exemple hier. Écoutez, dans la maison, quand il est levé avec maman, papa, peut-être avec un seul, il met au marin ou ma tante, regardez bien. Et qu'on principe qui déjà établi, ou pas tellement le répéter, nous tellement habitués là-dedans, il est presque une organique, même là ou pas là, ou comme j'ai l'impression que yo là, ou pas rentrer à 11h du soir, parce qu'on connaît c'était 8h, à la rigueur c'était 9h. Et ça m'a pris un bagage qui est moral. On va le dire que nous dans l'État. Mais non, mais ce n'est pas vrai. Culture républicaine, non. Ossature républicaine, non. Lit tellement pour le rentrer dans l'organisme, non. Qui vient faire que c'est comme si nous avons, même lorsque le pouvoir de contrôle là-bas, là, on considérait, même en dirigeant, que on considérait c'est comme s'il était là. Allusion me fait assez comme l'homme d'où la caille là, où tu es bon, ensemble de principes. Qui vient inculquer ou précis ça ou presque vient presque organique côté que en d'un cas là et même si maman papa là mais ça pas autorisé ou pour faire des potes pour vous voulez à minuit à 1h du matin dans tête voisinage pour empêcher le dormir. Exemple ça qu'on comprend là il est clair pour monsieur Auxilus, mais un élément qui aussi important c'est essayer garder besoin et capable de dire et pouvoir ça qui c'est pouvoir législatif là par rapport avec pouvoir exécutif là l'ancien président Jovenel Moïse qui très clair et par rapport à ça dysfonctionnement au caducité du Parlement haïtien, mais président Jovenel Moïse était une majorité dans deux branches dans le Parlement, que soit au niveau Sénat ou encore au niveau de la Chambre basse, et président pas de faire yo capable et ça gagne pouvoir avec loi électorale qui était voté et puis pas faire élection pendant presque 2 à 3 ans et dans mandat lié. Et je dis à là, c'est comme si il voulait déresponsabiliser tête li dans l'inexistence de cette institution qui est le Parlement haïtien. Très bien. Alors, on parle on bagaille tout. Et
l'IPAT, l'on dit l'IPAT fait élection. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Parlement, l'y mettait à la charge unique du président, ouais, que c'est lui pour faire élection. M'pas totalement d'accord ça. Ouais bien? M'pas totalement d'accord ça. Et ou l'autre culture politique, ou nous gagnons en politique encore, ou qu'on dit culture liée, bam quitter ou pas faire pour que moi-même, c'est où m'a accusé. Ouais, ça me donne là. C'est même j'ai avec Cour des comptes, probablement, que vous avez parlé, alors que Cour des comptes, que vous avez parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que, vous avez un système qui établit un système de contrôle. Système de contrôle l'a dit, bon, quitte au gaspiller, même après, ils vont au côté, m'a dégagé pour me marier. Non, ce n'est pas ça. L'on a dirigé l'État. Et notre théorie sous bonne gouvernance, c'est empêcher qu'on blesse. C'est empêcher autant que le possible, empêcher qu'on blesse. Autant que le possible, c'est empêcher qu'on fait tort à la nation. Autant que le possible, c'est empêcher qu'on fait du tort aux institutions. C'est ça, oui, la bonne gouvernance. Maintenant, dans ce sens, ça, nous cultiver le fait que bon quitter le parfait après ma main au côté mon pour me frapper le m'a dit mais non le fait que me frappe ou m'a dit c'est ou pas de faire si qu'on n'y a pas fait si ou t'es qu'on responsabilité qui dévolue uniquement ou même ou pas à accomplir forme clair que responsabilité politique que ça implique à responsabilité juridique que ça implique à toute responsabilité l'impliquer, comme clair que le carton payé, il est tombé sous tout. Maintenant, où l'État qui pas fort. Dans l'État côté que c'est végété n'a végété. Plutôt saisi occasion à moi-même. Alors, la moins quoi que le préférable, nous saisis occasion au maximum dans charge ou gain, dans responsabilité qu'on gagne, pour permettre que vous me jouez au moins pour un dossier, pour me jouer au moins pour que vous accompliez pour exécuter ça. C'est-à-dire, dans fait élection, il faut ouvrir mon bagage. Dans fait élection, on paquet enjeu. Premier enjeu qui gagne, mes amis, c'est parce que nous, tout oui, nous t'aimons que après nous, c'est nous. C'est ça, nous gagnons comme culture. En pile dans nous, pour me dire, nous, tout nous, quoi que l'un des chefs, faut que nous chef encore. Eh bien, non comme ça, n'a fait des casses et n'ont pas fait attention à casse que n'a fait. C'est institutionnel qui va le payer ça. Maintenant, on nous dit que une hypothèse que vous mettez, c'est que le président est bien content si pas un parlement, si le parlement est dysfonctionnel et que la grande boulevard libre de vol pour le faire salver. Mais mes amis, théoriquement, on retournait dans le rapport de droit et de politique là, on retournait là-dedans. C'était quoi? Eh bien, c'est que nous gagnons ça, nous ne l'est pas depuis Jean-Jacques Rousseau, mais disons même avant, ça, le contrat social là, en matière d'État, quand le contrat social là, c'est du fait que c'est le passage que nous faisons de l'État de nature à l'État social, à l'État de raison. Passage de l'État de nature à l'État social, à l'État de raison, hein. Vin fait que directement gagner quand même un antagonisme qui est toujours là entre le fait que nous t'avons pas quitté état de nature net et dans le fait que nous pas toujours totalement dans l'état social là, dans l'état de raison. Eh bien, Kounia, est-ce que moins capable fin rivé dans pouvoir yo à partir de l'état social et puis qu'on y a pour me rester dans pouvoir yo moi même pour me darler faire me tourner à l'état nature ça faut nous dit tête non que le pas possible et si nous pas qu'a dit tête non pas possible nous pas prendre service ni à tête nous
nous va prendre service non, à société nous va prendre service à population. C'est de ça qu'il s'agit, la bonne gouvernance voulait que nous créions moins antagonisme pour que société a capable de continuer à fonctionner. Moi-même c'est un d'approche moins ça et je crois que les valables pour Kouni là aujourd'hui à Napoléon, les valables pour demain si Dieu veut qui c'est vendredi, les valables pour le reste du temps politique que nous avons traité pour nous courir, pour nous passer avec d'autres générations, avec d'autres équipes. Et par rapport à ça on dit là, l'op garde réalité à pousseur, c'est comme si autorité qu'il a eu, particulièrement l'exécutif, c'est à chercher à créer des irritants. Par exemple, je dis à la, dans la situation où il y a, le président de la République là, veut imposer à la société un conseil électoral provisoire pour organiser des élections. Et des élections, c'est comme si vous sentiez même des marches pour monter conseil électoral provisoire là. Et il n'y a pas de d'accord sur lui. Je dis à la, et le président de la République là, lui installer, faire cérémonie d'installation au niveau du palais national, mais sans que les juges électoraux. Yo même yo pas prêté serment et devant la cour. Moi pense que faut qu'on apprend ça en plusieurs morceaux, c'est-à-dire au moins deux. Il y a la question là, il y a bon en plus bon et au moins deux, c'est-à-dire faut regarder d'abord l'idée de nommer l'idée de monter un conseil électoral. Ensuite, il faut regarder le contenu arrêté. Avant d'entrer dans l'incident, pas qu'à prêter serment. OK? On regarde tout d'abord une certaine imprudence. Imprudence parce que, pas oublier que, en droit constitutionnel, en droit public, l'on disposition de la Constitution qui est relative à une procédure. Même j'ai toute loi de procédure, c'est l'être là ou prend ou appliquer. Ça me le dit par là. Pour pas entrer dans une interprétation qui est capable de faire commettre du tort, parce que c'est une loi de procédure que nous y est. Nous avons sorti dans la Constitution pour l'autre. Parce que la Constitution en lui-même n'est pas une loi, non? On nous dit que la constitution en lui-même, c'est une norme dans la pyramide de caisse. Quelle scène nous est la norme supérieure. Et c'est de lui-même toute l'autre norme a découlé parce que vous faites pour le conforme à lui-même. Donc ça, c'est le principe que vous relayez le principe de la hiérarchie des normes que étudiants et étudiantes ont bien connaître dans le droit et dans le droit constitutionnel. On nous garde droit constitutionnel là tout. Étant donné que c'est le droit qui est relatif à l'État et à l'organisation de l'État, droit constitutionnel là tout, les vignes droit population également. Ouais bien, ça me doit là. Les vignes droit population également. Non sans ça, faut que nous fassions garder pour nous. Ouais. Contexte là, pas oublier que, alors, posons une question que je n'ai pas de droit. Aidez-moi pour faire me songer si c'est vrai ou non, le chef de l'État aurait déclaré que si alors élection a fait la prendre, même si ce n'est pas les vrais termes du chef de l'État. Aidez-moi songer ça, s'il vous plaît, pour t'accaranger. Et l'acte est voté avec plusieurs interprétations par rapport à la déclaration et président effet qui concerne l'élection et au sous-chapitre ça. C'est ça, me demande de repréciser pour moi. Est-ce que ces déclarations, c'était que la fait élection et que la prend ou bien partie, il y a pas bon, il y a toujours une élection. Bon, le président a dit que il y a toujours une élection. Yo, et n'importe quelle élection, en fait, que et là, exact et poté à plusieurs interprétations. Et Jean-Comme Julia, opposition. C'était que c'est lui qui a toujours une élection. Bon, et c'est ça que je dis que vous, monsieur. Des non, déclarations non, qui étaient précision seulement moi ou même qui ben oui, entre guillemets oui, entre guillemets oui, c'est ça que le TV l'a dit. OK, en substance c'était ça. Maintenant, on nous dit imprudence là. C'est quoi l'imprudence? N'a dirigé l'État et genèse, veut dire point de départ qui pour mener nous dans l'élection, on nous dit ou gain prérogative là. Qui prérogative liée, eh bien, c'est prendre l'arrêté qui
qui nomme et les membres du conseil électoral. Du OK? Du conseil électoral. Et bien, qu'on y a, on nous dit que on fait une comparaison même avec un juge. On nous dit un juge gadim. Il dit avocat ça, veste bleu ça, moi-même, il vient plaider un bagage devant, il est déjà perdu. Alors, comparaison n'est jamais raison, hein? Mais elle permet que comparaison n'est pas raison, mais comparaison a mettez nous plus près de la raison. Pour nous comprendre. Juste ça, et puis même moi-même, qui pas me retrouver moi, matin, devant juste ça. Mes amis, qui confiance mon moi a représenté à j'aime gagner comme quoi juste ça la impartial. Pas qu'il y a aucune raison pour gagner confiance. Vous d'accord avec moi? Bien sûr. Maintenant, on nous dit que déclaration ça a fini fait. Qu'on y a, en toute situation côté que population assemblée, c'est pas sa préoccupation le qu'on y a là. On nous dit que dans toute situation côté que il y a des domaines qui plus urgents côté que des politiques publiques immédiates à louer, concevoir et appliquer. Et puis, un beau matin, conseil électoral monté, dans la situation que le monté a, ça a traduit tout directement que voilà, chef l'État, Tavadi, l'appel, l'élection, l'appel, et bien voilà le parti pour ça. Et bien, au départ, qui s'est passé, point de départ là, même l'y appeler trop de suspicion dans un contexte délicat déjà, qui pas prêté à ça. À partir de ce moment-là, on vient hypothéquer tout un processus qui gagne à ouais, à même, un processus qui gagne à ouais, même avec la souveraineté nationale. Et là, ça, au fur et à mesure, on n'a pas avancé, ou après que bah, la papiti dans mes nous, la grossi dans mes nous, et laisse la créer un coquin chaîne problème que nation n'a pas capoté dans le contexte ça et ni dans quelques mois après. Mais maintenant. Dans ce cas-là, l'Éovine ouais que il y a des secteurs qui t'a prévu tant par la Constitution que par le dernier décret électoral, ou est au pas là, ça a renforcé pour un mot qui est moins choquant. Pour me prendre un mot qui moins fait des irritants, ça a choqué quand même sensibilité, non? Ça a choqué population hein, qui vient de plus en plus à quoi que au plan cap exécuté qui n'est pas en faveur de la démocratie, et, qui n'est pas en faveur de la population. Et dans plan ça, qui n'est pas en faveur de démocratie, population et position Auxilus, Jovenel Moïse rejoigne tout support du gouvernement américain. Attention. Là, il ne faut pas courir pour nous critiquer l'international. Quand on parle, l'international est toujours positionné et donc il est toujours allé dans le sens que l'État nous voulait aller. C'est important, oui? On l'a dit depuis un certain temps. Pour qui ça? C'est parce que il y a des contextes internationaux à vivre, quelques pays de l'international à vivre. Écoutez, politique. C'est pas un bagage fait cadeau. Quel que soit genre politique, c'est pas fait cadeau, lié, non. Donc, il y a des contextes que l'international a traversé. Eh bien, s'il y a que dans un pays ou bien dans l'autre pays, il y a un comportement, une attitude qui est capable de favoriser sur le plan de sa politique interne, on va voir pour qui ça que le pas profiter de ça. Très sincèrement, on va voir pour qui ça va profiter de ça, qu'il t'a les uns, qu'il t'a les autres. Alors, là, on est en train de dire que sur le conseil lui-même qui a monté, et à partir de ça qui t'a dit par le président de la République, ça t'a entaché le processus-là de toutes les suspicions qui étaient capables de faire que, au départ même, eh bien, il posait problème au niveau de la population, au niveau des partis politiques, au niveau des secteurs organisés de la vie nationale. Maintenant, et là, c'était un gardé
et point gain pour avec monter conseil électoral pour provisoire là, mais je dis là par rapport au contenu de et ce est arrêté et qui prend pour nommer conseil ça pour sûr. Ça dit tout. Arrêté. Et bien des coups que nous connaissons dans la politique, mon temps qu'on n'a pas les doigts, qu'en pile mon gabri nous, gabri moi-même avant, qu'a pas les doigts pour qui ça? Parce que c'est comme si on t'avouait que nous manquons de comprendre, nous ne comprenons pas la vitesse qu'a passé. Parce que la vitesse n'a pas dans le doigt, encore qui te doit de. Là, on ne connaît pas. Non, retourner, c'est comme si l'État social là, nous voulons quitter. Eh bien, ça, l'État social là, bon, nous, l'État de raison, ça, bon, nous. Il dit que la Constitution que nous avons votée et que nous sermentons sous lit nous-mêmes autorités, ouais, et comme si on a quitté de temps en temps, et puis on a quitté et puis ça va dire oui. Maintenant, là nous qui délit, les vignes bon nous, comme on t'a dit ça, une institution électorale qui n'est pas cadrée avec la Constitution. Mais ça qui autorise nous faire, ça qui permet nous faire, que personne ne va dire, c'est parce que pas qu'un parlement, non, ce n'est pas ça. C'est pour nous une classe respect pour ça nous élever l'ossature républicaine qui est déjà établie. L'établit dans le texte là qui sont papier constitution, hein? Mais l'établit aussi, qu'on veut ou pas, dans le schéma de pensée haïtien, il connaît que le bon constitution, il connaît la vie de la République. Ça dit, ça n'a pas dû quitter nous. Il connaît que les vivent la vie dans un État, côté que répartition, attribution, pouvoir est fait. Il connaît la vie dans un État, côté que le rématériel prend la rue. Mais pas gagné un commandant de police, pas gagné un commissaire de police, capable de lever le matin, c'est mon chef d'État. Lui connaît que la vivre dans un pays, côté que, eh bien, l'on lit à l'époque de plainte contre le monde dans le tribunal là, lui pas jeune son sénateur Chita qui dit, ou pas capoter plainte pour un tel parce qu'un tel desservi dans l'élection. En d'autres termes, conseil de grossièreté, au moins, il n'y a pas qu'à attendre ni à yo. Et mais tout ça, c'est au statut républicain, non? Qui établit, bien évidemment, qu'il y a une police qui a veillé sur lui, mais quelquefois, il n'y a pas un gardien, il n'y a pas un police là. Donc, le fait que au statut l'a établi, il rentre dans la culture, il rentre dans le schéma, et bien, il fait pour le respecter. Donc, c'est de ça que nous parlons. À partir de ce moment maintenant, et comme moi dis, ou pas de droit. Parce que si c'est comme ça le travail, n'importe qui t'a dégagé, il a dit bon acte, pas une cassation, coup de cassation, bon, et même pas une cassation encore. Et puis, pour un, deux, trois, et ministre, il dit bon, et nous cassation en matin. Mais c'est comme si c'était même bagaille, oui. Ah, mon cher, on parlait là de qui pouvoir, de pouvoir législatif. Bon, on nous dit que bon, nous-mêmes, nous législatifs là tout. C'est comme si c'était comme ça, nous devions parler. Et à partir de là, qui ça vient arriver, qui a vient arriver, toute lutte haïtienne en témoin pour nous rapprocher de l'État social là, tout le monde tout mène pour nous arriver dans l'État social. Comme si on avait dit nous le bataille. Ben, si on bon matin qu'à lever, nous fait n'importe bagaille, n'importe ce que nous voulons. Moi, je crois que, quelque part, faut nous entendre la voix de la raison, faut nous garder autour de nous, faut nous garder pour le peuple haïtien, faut nous songer ensemble de lutte qui menait, ensemble de souffrances qui ont duré, ensemble de sacrifices qui fait, pour que nous fassions, pour nous faire si pas ça, pour nous arriver bon papier qui écrit les constitutions, mais pour nous arriver gagner un pays que nous dit c'est une république, pour nous arriver tout gagner des autorités que nous placer, qui a exercé non pas des pouvoirs proprement dit, un instance vindicatif terme, mais qui a exercé des compétences. Mais une point et un contenu arrêté ça pour sûr. Donc c'est le c'est organiser référendum et constitutionnel. Est-ce que
même si KIPA t'est bien monté, en par exemple ça, est-ce que légalement tu es capable de prendre telle décision? On fait une attention. Il y a des gens qui ont un argumentaire qui dit que c'est pas constitution que l'exécutif a amendé, c'est son autre constitution l'a fait. Bon, au compte ça passé, ça t'a qu'à touiller nos pirates. Ouais bien. Et là, moi invité pays à repenser, moi invité exécutif à repenser. Pour qui ça? Et constitution, premièrement, l'idée dit que les babayes, même pour l'idée pour ça, il y a une possibilité oui, de modification pour faire amendement. Vous voyez? L'idée bah, oui, pour faire amendement à la constitution, c'est-à-dire changer quelques dispositions. Mais pendant le temps, il y a une possibilité, les fermer au bagaille, il faut, si c'est une modification à faire, qu'à changer au statut républicain et l'État, et puis nous, non. Par exemple, où t'as un éclairé, où dit bon, n'a pas une modification constitutionnelle, on exemple, oui, côté que nous dit, nous votons parlement pour 10 ans. Constitution, pas de possibilité de faire amendement ça. Ça, c'est de première, deuxième étape, en montée pour vous. Sous question référendum, si c'est référendum ou t'as voulu faire pour modifier constitution, non, il n'y a pas de possibilité. Parce que constitution dit, il y a deux façons pour capable modifier. Li. C'est un, avec, bien évidemment, on position, déclaration de l'exécutif, qui a pas cheminé au Parlement, ou bien Parlement lui-même capable de faire déclaration. Et procédure là, c'est que le président sous l'empire duquel amendement va intervenir, il n'est pas capable de bénéficier. Et puis législature qui fait déclaration pour Félix Félix, la mettez comme un chaudier, c'est ça que tu à l'époque, là, il n'a pas lieu amendement. C'est le chaudier à tout faire, l'aller, et puis l'autre législature qui a planté à l'époque. Voilà. Donc ça veut dire c'était ça pour l'amendement. Mais maintenant pour changer la constitution honnête, mes amis, bon Dieu papa, sa constitution en pays, on fait changer ça le pays. Nous sortis dans la période 86, ok, l'ESA, il s'est produit le grand événement que doctrinaire retenu comme événement qui est capable de faire un pays changé de constitution. Parce que si on sent changement de constitution, on peut adopter une nouvelle constitution. Dans le cas d'un soulèvement, dans le cas d'une révolution, dans le cas d'un nouvel État qui prend naissance, etc., etc., donc qui permettent que on vienne changer de constitution. Eh bien, dans le cas de soulèvement, c'est gagné, côté que nous devons finir avec une dictature, Dieu seul sait est-ce que nous finissons avec livré. Ok, bon, nous devons finir avec une dictature. Lorsque nous avons une nouvelle, que nous avons une ère démocratique, eh bien, ça a nécessité que nous pas de carité sous l'empire de la Constitution de 1983, qui, en tout état de cause, est une constitution, n'est-ce pas, qui a géré, qui a nourri une dictature, au président sa vie notamment. Maintenant, nous rentrons dans l'ère de 86-87 là. Nous disons, il y a un premier bagage qui pour marquer, n'est-ce pas, événement ça, soulèvement populaire ça, qui était abouti à 7 février 1986, eh bien, nous disons, nous avons une autre constitution. Constitution ça, nous témoignons l'Assemblée constituante qui t'a rédigé. Eh bien, c'est ça, nous avons relé, nous pouvoir constituant, pouvoir constituant ça, qui est originaire, pour que ça soit accepté. Pouvoir constituer originaire. Là, dans lui, nous vîmes bail possibilité à des pouvoirs constituants dérivés, c'est-à-dire qui prévu dans la constitution elle-même. Ça, c'était pour modification. Mais quand il s'agit, mon Dieu, de l'autre constitution, beaucoup n'y a pas occupé pouvoir constituant originaire là. Tout naturellement, alors, l'aime parler de pouvoir constituant. Pouvoir constituant, c'est la population. Eh bien, population,
nous pas garder le même et puis nous comme si pour nous faire une constitution qui reste dans poche nous et puis nous dit et garder ça non où est le bon et puis dit où est le bon. Moi pense que à plus forte raison si pas de gagner référendum, référendum sont consultation populaire. OK, c'est la fameuse c'est le fameux pays de la Suisse qui peut exceller dans la question ça. Maintenant, si nous pas capable et faire et référendum pour faire modification, mais à plus forte raison, mes amis, nous pas capable faire référendum pour nous faire une autre constitution. C'est comme si nous avons ça, peuple là-bas, bénédiction sous l'IA, le peuple qui est souverain, lui-même s'il est souverain. Alors, dans la démocratie, nous dit que le peuple délègue l'exercice de la souveraineté. Mm-hmm. Mais le fait qu'elle ait appelé le 29 mars pour le bail, disons, sous constitution, hein, constitution 1, il était élu, monde qui pourra le rédiger, il y a 2, l'olfin rédigé, il passait devant encore pour le bail moli. Quand on dit que l'on voit LGT, on y voit LGT ou pas. Consulter lui et oublie pas d'aucun mot pour le dire ni à travers lui-même directement ni à travers aux représentants devant le parlement. Oui, et ça qui pas gain pour le moment, professeur Silu, c'est suffit pour nous pendant et environ 15 secondes n'a monté drapeau et que n'a projeté nous pour que nous capable et finir entrevue parce que déjà nous connaît que ou gagne et l'autre et rendez-vous pour matin. On salue le drapeau. Il est déjà 8h. Il est déjà 8h. Pour les aïeux, pour la patrie, au Dieu des peuples, au Dieu des peuples, c'est un gars infini. Prenons notre vie, au Dieu des peuples, au Dieu des peuples, pour les aïeux. En tout cas, et n'a pas rappelé que nous gagnions avec nos professeurs. Jacques Ner Auxilus avec l'Imatien APC et garder l'actualité, mais qui gagne pour eux avec question droit. Professeur et Auxilus, je dis à la, par rapport avec point 1, ça, on a arrêté à que l'APC garder, qui gagne pour eux avec référendum et constitutionnel là. Si Jovenel Moïse, si l'exécutif t'a voulu pour une décision comme ça, comment il était supposé procéder, s'il vous plaît? Écoutez, voilà. Alors, remets-moi de comment l'État doit procéder, mais pour le faire qui ça? C'est ça, oui. C'est ça, oui, la question. Procéder pour le faire qui ça? Pour le faire une modification, pour le faire un amendement, ou bien pour le faire une autre constitution? Si c'est pour un amendement, moi, dit déjà. Dans la dernière session de législature, là, il tape fait proposition, il tape étudié proposition, que tu as quitté là pour l'exécutif Cap-Grandréa. Ça, c'est pour la modification. Mm-hmm. Dans tout état de cause, pour faire une nouvelle constitution, et en bagaille que je ne suis pas opposé à lui, comme tout ça personnellement, dans l'optique pour faire une nouvelle constitution, premièrement, ce n'est pas dans le moment que nous avons tout antagonisme politique ça dans la société. OK? C'est pas dans le moment, parce que de même, attention, de même que dans l'amendement, l'idée qu'on que sous l'égide du président que l'amendement a obtenu, il va doit bénéficier. Mais on va comprendre tout que les présidents de la République là, pour arriver dans le fin mandat, si son question qu'on s'allie aborder, alors que en pile secteur de la vie nationale, Défin fait des manifestations, etc., pour montrer des accords avec orientation politique exécutive, ça, nous dit premièrement, si elle là, c'est-à-dire contexte ça, pas approprié vraiment. Maintenant,
Deuxièmement, et ça qui est plus fondamental, ou pas qu'à quand nous gagnons une large consultation, voyez bien, quand nous gagnons une large consultation des secteurs vitaux de la vie nationale, qui pour permettre que nous presque gagnions ça me tarelé équivalent d'une consultation nationale. Ça me l'est dit par là. De toute façon, contrairement à ça, mon abdi concernant le Parlement, m'pas quoi c'est institution parlementaire pour nous parler gagner. M'pas quoi c'est ça. C'est peut-être nous-mêmes qui ouvrons les yeux, nous, et c'est peut-être aussi des lois, une loi par exemple comme la loi électorale, qui pour venir mettre des garde-fous pour que nous ne gagnions pas n'importe qui mon espace de pouvoir, ça c'est le pouvoir législatif là, même pas quoi c'est pouvoir législatif là vrai pour nous t'a dit que nous ne voulons pas gagner. Parce que ça peut pas gagner devant comme spectacle. Eh bien, c'est les parlementaires de 50e dans la gagné, parlementaires 49e que nous avons gagné. Donc, côté que, le peuple a dit, mais si c'est pour ça, ah, qui parlement et donc parlementaire, l'idée n'a pas préféré pas gagner. Même pas quoi que le problème avec l'institution démocratique. Ça, qui c'est le parlement? Vraiment. Ça veut dire que c'est une façon qui peut joindre pour que nous élus, monde qui doit élu dans l'institution même prestigieuse. Okay. Mais comment vous procédez, moi dit, on large consultation, l'homme dit large consultation au niveau, n'est-ce pas, du projet. Pour que j'ai suffisamment ventilé, pour que j'ai suffisamment vendu à la population, hein, et puis pour que le même gagne possibilité, même Jacques Lenta pas adopté la Constitution 87 là, pour le même gagne possibilité pour le placer Moli à travers ses représentants, parce que pas oublier, nous avons un système quand même démocratique en Haïti. Maintenant. Et je crois que, et là, tout, ce n'est pas un projet intéressé immédiat qui pour venir faire nous parler de seulement de constitution de manière Wintsoukou. Pour sûr, par rapport avec cette prestation et de serment qui n'est pas faite au niveau et la Cour de cassation, et malgré ça, le président Jovenel Moïse a décidé et fait une cérémonie et d'installation des membres du Conseil électoral provisoire, par rapport à la mission qui est confiée à légalement qui ça a fait. Qui ça conseil la café institution ça parler dans constitution et le conseil électoral pas bien il est le conseil électoral à un moment li capable permanent dans contexte où il y a les provisoires parce que institution qui pour concourir pour faire conseil électoral permanent créé, donc il n'y a pas là. Aussi simple que ça, ça veut dire que nous étions là. Alors, l'institution s'appelle Conseil électoral. OK? Qui est capable permanent, qui est capable provisoire, nous on dit ça. Maintenant, Conseil électoral, là, il dit, mais qui j'en pour le former? On peut aller que, contrairement à ça, mon ami, qui a capturé profit de l'article 282.2. Contrairement à ça, mon ami, c'est pour moi que son atmosphère délétère qui gagne, qui fait que l'institution qui prévue pour former le conseil électoral là-haut, c'est l'atmosphère ça qui fait que il n'y a pas désigné représentant. Ça veut dire que bon problème à la base dans la société qu'il fallait résoudre et c'est l'exécutif qui doit se mettre à résoudre ce problème fondamental. Donc, pas prêter serment, quoi, c'est ton situation de fait et que. Bah. Maintenant, on nous dit, m'a consacré ou pas prêter serment, mais on nous dit plutôt, étant donné que là, nous en politique, c'est une démarche. C'est une démarche qui fait que, d'accord, et on pique devant capote. Mais de l'autre côté, formalité fondamentale, là, essentielle, là, c'est la prestation de serment qui habilite membre CEPO œuvrer
comme membre du conseil électoral. Ça veut dire que, et sans avoir prêté serment, il n'y a pas des juges électoraux. Est-ce qu'il me garde ça comme ça? Non, mais pas prêté, mais écoutez, c'est des actes de souveraineté ou pour le poser, ou pour le prendre des décisions qu'a engagé la nation. Bon, moi-même, qui avocat, pour me faire profession, prêter serment, tout juge prêter serment, tout élu net prêter serment, mais à combien plus forte raison que le monde qui peut permettre élu ou élu pour ne pas prêter serment. Et pas prêter serment, c'est que tout acte que le pral poser, qui ou acte qui table les souverains, lui entaché de nullité. Mm-hmm. Il entaché de nullité. Il entaché de nullité. Mm-hmm. Et moi, c'est que. Et là, qui pral faire qui ça? Bon, me dis ça pour pays. Qui pral faire qui ça? N'a créé plus d'antagonisme dans la société à l'ESA. N'a créé des problèmes qui sont plus profonds. Et les problèmes n'ont été plus simples. Au lieu que nous faisons de simples concessions pour nous résoudre, mais nous montons et comment les gens disent ça, Jack sous Jack, nous montons. Et puis les Alvines font pile à compacter, combattre nous qui est plus difficile pour résoudre. Et les ça, c'est la nation qui en perd à l'effet. Dommage. Et, mais quand on a un président, et je dis à la Jovenel Moïse qui se sent. Ta confiance, il se sent puissant et qui prend des décisions contre l'état de droit par rapport avec toute considération qu'on fait là et professeur et d'autres avocats où on commet la loi fait et prend dans ce maintenant. Et ceci avec le support complice de la communauté internationale, particulièrement les États-Unis. Moi, d'où déjà, au parc à l'église, c'est complicité parce que moi, d'où, n'oubliez pas, c'est en politique que nous y faisons qu'on est là. La coopération internationale aussi, mais basée sur des intérêts, mais basée sur la notion de puissance aussi. OK? C'est tout doux ça que le délai. Et moi, je pense que, bon, il faut me répondre à une autre invitation. Oui. Et moi, je dois aller dans quelques secondes, mais par rapport à toute décision, ça y est, comment tu as arrêté? Et là, je me dis, arrêtez, ça veut dire, faut faire président, faut y camper là. Qui ça ne fait pour nous dire, président, on faut dire là? Nous sommes dans politique. Nous, dans politique, moi, je crois que aussi, écoutez, il y a un autre pouvoir, et le président de la République le reconnaît aussi. Il y a le pouvoir, ça, l'opposition. Donc, l'opposition est un contre-pouvoir. Bon, eh bien, parce que un contre-pouvoir, moi, je dis un pouvoir pour qui ça. Parce que il y a des gens qui croient dans l'opposition, tout. Mm-hmm. Il y a des partisans, il y a des gens qui ont supporté lui. Elle dit que, ne serait-ce que une satisfaction morale, je crois que. Ni l'exécutif en tant que pouvoir lui doit satisfaction à la nation, lui doit en termes de politique publique satisfait, n'est-ce pas, besoin et désirer à sa population. Mais quelque partout, moi crois que, et l'opposition lui-même tout, lui gagne pour montrer ça le café. Et comme nous en politique, la bataille, elle est plutôt. Et politique que juridico-légal, vous monsieur. Et nous, dans politique, parce que nous avons parlé de droit constitutionnel, qui est le droit de l'État, donc dans l'État, il y a une population en tout, c'est le droit de la population en tout, mais moi, je dis que, eh bien, puisque c'est arrivé à accoucher de institution qui pour protéger l'intérêt des uns, qui pour, par connaître, et aller plus loin, etc., eh bien, dans ce sens-là, eh bien, l'opposition, elle aura aussi son mot à dire, elle aura aussi une explication à fournir, elle doit avoir une explication aussi pour la nation, comme moi-même, c'est dans mes temps, c'est dans la technicité à ouvrir matin et c'est là dans le noyer. Donc justement, nous démontrer que au regard de la constitution et des lois de ce pays, voilà ce qui n'est pas correct. Merci beaucoup, monsieur. Force, maintenant pour vous montrer de quoi vous êtes capable. Oui. Merci un peu, monsieur, et à bientôt. À moi de vous dire merci, bonne journée et que la nation soit bénie. Voilà, c'était avec nous, monsieur, et Jacques Néoxylus et Abel Kozé, et dans ce moment-là, nous allons continuer et faire lumière par rapport avec question juridique. Ça, qui ça la loi dit autour des acquis démocratiques? C'est avec Maître Rodrigue Dumas dans Le Mot du Droit. Pour qu'on doit dans le travail, doit pour jouer un petit morceau la justice, doit pour faire respecter bien, à cloner ou dignité ou liberté ou. Pacifique FM a présenté Le Mot du Droit. Droit mental qui pour fierté nous. Avec Maître Rodrigue Dumas. Le mandat 29 mars 1987, là,
peuple haïtien a décidé de prendre la rue en masse pour te ratifier la Constitution. Non seulement il était choisi à bailler une réplique à régime Duvalier, mais tout pour te enterrer net régime politique traditionnel là dans le pays d'Haïti, ça veut le présidentialisme là, côté dit d'antan tout pouvoir était chuté dans main d'un seul individu, à savoir président. Contrairement à autrefois, côté président et en même temps chef d'État et chef gouvernement, côté il était pouvoir fait et défait dans l'administration publique là, nommé, révoqué, j'en ai dit, il était droit à la vie à clamor sur citoyen. Constitution 1987 l'a dit, coupez-moi ça sec. C'est dans ce sens ça, d'ailleurs, il crée poste premier ministre, qui c'est un contrepoids à toute éventuelle dérive dictatoriale président. Constitution a retiré question organisation élection au tout dans même président via ministère intérieur pour le confier à l'organisme indépendant, bien entendu, que Constitution connaît qui existe depuis en 1987 et qui est le Conseil électoral permanent. Dans affaire contrôler qui façon l'argent pays a dû dépenser, c'est vrai que c'est pas Constitution 1987 là qui venait avec création de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif là, mais contrairement à autrefois, côté c'était Tipoul qui était marré dans pied table président, d'autant que c'est lui-même qui était droit non même membre. Je ne vous dis non seulement Constitution 87 là élargit l'attribution, les consacre autonomie et les dit la Cour supérieure des comptes doit travailler en toute indépendance pour connaître si chaque centime l'État bien dépensé. De l'autre côté, à travers processus décentralisation, Constitution exige participation population dans toute décision importante qui envisage développement pays. Dans l'affaire respect droit monde, Constitution 1987 là, place respect liberté individuelle tout citoyen en dehors toute emprise pouvoir public. Question pour un haïtien besoin visa pour le sortir ou bien l'aile de yo pour le rentrer dans pays. Yo zam efficace dictature te kon utilisé en pile pour des prita adversaires politiques qui te en dans pays ou bien pour te kembe dans campé loin, pas proche. C'est là que les deux pays, Constitution dit, bagay ça a fini. Tout comme, d'après Constitution, il n'y a pas de droit d'exiler aucun citoyen, ni forcer yo quitter pays pour aucune cause. Constitution dit tout, dans quelles conditions pour arriver privé au monde de liberté. Non seulement, il n'y a pas de droit arrêter personne en place sur l'autre monde, tant que ça te compte fait sur le régime dictature, mais tout, depuis pas de flagrant délit, il n'y a pas de droit arrêter ni fermer personne en prison, sans mandat et autorité de la justice et compétence pour ça. Et en application principe habeas corpus la Constitution a consacré, depuis moun nan passé plus passé 48 heures sans li pa paraître devant juge naturel li, ou bien yo pa arrêté les gens la loi dit pour sa fête, la justice le bail l'ordre la guille tout de suite. Et un peu d'observateur pas jamais suspend faire remarquer que c'est grâce à procédure habeas corpus ça, la justice toujours be desserré code persécution politique là, chaque fois il était sorti pour le tout fait citoyen yo sous diverses dictatures ou bien divers régimes qui ont tenté d'établir dictature dans le pays depuis 1987. Ça, c'est quelques parmi diverses autres acquis démocratiques. Constitution 1987 l'a consacré et qui dépend des populations en Wanali, un instrument pour aider le changer les conditions de la ville et puis prendre la rue en masse pour approuver le jeudi 29 mars 1987. Là. Un rêve que le peuple haïtien toujours attend un jour qui est transformé en réalité, environ trois décennies, depuis que tu as voté ça en faveur de la Constitution, même si entre temps, ce n'est pas deux mondes qui ont réglé les causes et qui continuent à régler les causes, les causes familles, les amis et les acolytes, sous deux constitutions qui d'ailleurs pas manqué de monde et au détriment du peuple haïtien. Maître Rodrigue Dumas, Pacifique FM. Redbranché. N'a tourné tout à. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on connaît bonjour, c'est un petit mot de syllabes qui ca l'ouvre toute porte? Ah oui. Est-ce qu'on connaît tout un simple petit bonjour qui aider un prochain passer une bonne journée? Ça, c'est vrai. Dis-moi bonjour, m'a dit bonjour, comme ça la vie va plus belle. Ça, c'est un message Radio Télé Pacifique poté pour améliorer rapport mon à mon dans pays a. Radio Télé Pacifique, l'unique transparence. Bonjour à toutes et à tous. Ben, on est parti pour recevoir notre deuxième invité. Et ce matin, nous gagnons avec nous Clarence Renoir du parti Unir Haïti. Monsieur Renoir, bonjour. Merci un peu pour disponibilité ou bienvenue sur Antenne Pacifique. Comment vous allez? Bonjour, Dagé. Bonjour à auditeurs et auditrices du Pacifique. Et je dis à la. Et nous passons et pour un coup d'interview par rapport avec l'actualité et situation et pays à retrouver. Là où est arrêté ça, sorti pour nommer 9 membres conseil électoral et provisoire à Clarence Renoir,
en tant que dirigeant politique, qui sont dit tête tout? Bon, maintenant que le gouvernement n'a pas cherché consensus, n'a cherché confrontation, n'a cherché clash. Alors que gouverner, justement, l'art de gouverner, c'est constamment chercher, jouer le consensus capable de permettre que nos points de vue qu'on gagne, on fait le passé, une direction qu'on vit pour un problème, mais on mène le monde consensuellement avec la direction d'aller, malheureusement. Bah, on dit marche ça, et mise en place conseil électoral. Là, c'est vrai que l'exécutif a fait notre invitation par des organisations, mais il n'a pas tenu compte de remarques organisationnelles. C'est l'Église catholique, par exemple, pour citer une institution qui sont institutions neutres, sont institutions qui parlent en politique. Si lui-même est réticent à voyant un représentant dans le CEPR, il faut me consulter pour demander qui ça gagne, qui ça fait le pavé. Oui, le ça, n'a pas de lui. M'a compris, il m'a cherché à lier un contributeur aussi important que l'Église catholique, mon conseil électoral, qui nous a la crédibilité que nous avons besoin. Et bien, m'a cherché à lier ma position là, pour bien comprendre la position là et ramener la position par partout pour que nous présentions un conseil électoral qui va figurer et qui est accepté par tout le monde. Mm-hmm. Et malheureusement, m'a fait rechercher ça. Au contraire, moi, volonté d'entrer dans l'affrontement, dans la clash là, m'a pris au conseil électoral, quoi qu'il advienne, il m'a prêté, il m'a passé en force. Et il y a une plus grosse signe et recherche d'affrontement, ça, c'est prestation de serment qui n'est pas faite dans la Cour de cassation. Mais malgré tout, le président procédé avec investiture Mambio dans le Palais national. Oui, le conseil a monté dans la contestation, il a monté dans le conflit. Et puis, il y a acte. Alors, sans pas retourner sur composition, une composition qui n'est pas forcément constitutionnelle, tout. Hein. Mais il y a une étape qui est particulièrement importante, puisque la investi des juges électoraux, c'est des gens qui peuvent juger sur la foi et sur la loi, donc sur la constitution, pour le fond travail équitable, sans fausse côté. Et puis, pour passer l'étape de prestation de serment qui est consacrée. Qui légalisait Mounzaïo. Là encore, il faut questionner cette démarche. Moi-même, je questionne et je vais vous dire ce que je comprends là-dedans. Sans comprendre, l'homme bien analyser toute question. Moi, je dis qui était le président guerrier, qui était le gouvernement guerrier pour le montrer au conseil électoral dans tout bois, ça, dans le marché pressé, ça, malgré contestation, ça, mettez des organisations avec des représentants, par exemple, jeunes. Qui les jeunes de pays à été réunis, plus de l'organisation, plus de dire bah, au monde là-dedans. Bon, comment démarche là, il est vraiment boiteuse, il pas bon. Maintenant, quelle est la raison profonde de cette démarche, à mon sens, selon l'analyse que je me trompe, deux bagages que je me relevais. Je me relevais que le président a besoin d'un élément de discours pour la présenter aux Nations Unies. Mm-hmm. Parce que je n'ai pas nous arrivons dans. Période d'Assemblée générale des Nations Unies où les chefs d'État et de gouvernement vont intervenir à la tribune. Ils n'ont pas intervenu dans la tribune des Nations Unies. Il faut faire un bilan. On dit qu'ils sont faits. Nous sommes en démocratie. Il faut dire on fait élection. Et le président a besoin d'éléments de discours à la même. Pour la dire, voilà, mettez sous pied au conseil électoral. On a marché vers la démocratie en Haïti. Nous avons ceci, nous avons cela. Ah, ça se prend rapidement sur lui. Ça l'a bien bon tout pour Bini. Bini a dit, voilà, nous avons un bilan positif. Mm-hmm. Deuxièmement, il marche là dans le centre, quand on dort auprès de la Dani, et on dort élections américaines qui ont fini ici dans l'Haïti. Ça a été toujours le cas. Les élections aux États-Unis ont toujours gagné une conséquente influence sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Eh bien, président, Folbay, gouvernement, président Trump-là qui soutenu à tout va, eh bien, des arguments. Tout. Si il y a un débat électoral, il y a des Trump, il dit, mais moi, il y a un problème en Haïti. Trump a dit, non, en Haïti, ça va, parce que il y a le gouvernement qui est en place, mettez en place au conseil électoral, il va avoir un calendrier électoral, il a préparé le conseil élection. Mm-hmm. Donc, pour moi-même, il n'y a plus de travail pour l'étranger, il n'y a plus de travail pour nous. Parce que si il n'y a plus de travail pour nous, la démarche aurait été que, bon, fond un conseil électoral consensuel, avec l'assentiment des partis politiques pour m'intéresser ou participer dans l'élection, pour que l'élection, ça n'a pas une tournée, il y a quoi que j'aime plus devant la démocratie noire, pour que nous fassions inclusif, nous balle cachet de crédibilité, hein, et puis là, ça, on a cherché vraiment
stabilité que nous avons besoin de jouer à travers des matchs. Malheureusement, ce n'est pas ça que nous fait. Nous mettons des pays à la presque toujours. Et toujours, je dis à la, nous sommes pas là avec Yomet la loi qui c'est et Jacques Néoxilus qui croit que, et quelle que soit décision et conseil électoral ça t'apprend, eh bien, il y a eu nul parce que il n'y a pas prêté serment au niveau de la cour de et cassation pour que il y a siégé en tant que juge électoral. Et président de la République, là, il est conseillé par des avocats qui eux-mêmes et connaît et impact décision et président est capable de gagner sous démocratie. L'un de président comme ça, Trudeau, qui se sent puissant, Jovenel Moïse aujourd'hui, pour plus d'eux, se sent en confiance. Qui ça n'a fait au niveau de la société pour nous dire, président, halte là, stoppez, on ne peut plus continuer comme ça. Allô? Allô? Bon. Et malheureusement, et nous avons perdu et communication avec Clarence Renoir que n'a pas relancé et pour que nous soyons capables et joindre pour nous continuer à discuter autour de ces événements politiques qui ont même continué à frapper PIA. Ben, communication a été coupée et Clarence Renoir nous t'a dit où directement et avec un président qui se sent en confiance, qui se sent puissant et ceci avec et la complicité de la communauté internationale, particulièrement des États-Unis et d'Amérique. Et où senti président à travers des décisions qu'il prend, c'est la violation de la Constitution. Qui ça n'a fait au niveau de la société à Jodia pour nous dire, président, et arrête et stoppe, ou toi prends, il pas fini trop bon à la démocratie? Bon, je dis en plus loin déjà, je dis en plus parti politique, dans l'Union, je dis des organisations de la société civile qui disent ça va bon. Mais parce que c'est ça que la société est capable de faire, mais pour garder quelque chose. Mais maintenant, et résultat, Clarence Renoir, c'est qui s'allie, c'est presque zéro. Et à travers différentes décisions. Allez-y. Non, non, alors, de plusieurs, peut-être que je suis capable chemin, je suis capable de mais moi-même, ouais, le président, pour ne pas tout le côté, là, ça va faire là. C'est-à-dire, la ruinée capital confiance que c'est qu'il y a dénoncé une institution d'organisation haïtienne, je parle, et auprès de population en général, et il n'est pas bon pour lui à la langue. Vous regardez, lorsque le gouvernement, le président est issu d'un parti politique qui s'appelle PHTK, et moi, quand le parti ça dit, il y a un désaccord avec les marches, ça. Ben, écoutez, c'est retirer autour de vous-même toute solidarité, tout atout qu'on t'a capable pour dire, voilà, on est confortable parce que tout le monde d'accord avec même. Mais c'est de moins en moins soit tout le monde d'accord avec vous. Donc, c'est un problème. Il creuse sa propre tombe. Mais on va retourner rapidement parce qu'on soulève des questions sur le conseil électoral là. L'enfant au conseil électoral entrer à la part infraction. Pour le bras diriger l'élection, éventuellement, parce que je ne crois pas que ça a privé, mais on embarrasse le monde qui peut-être qui entre dans le conseil, ça, qui est de bonne foi, qui était venu pour ton concours, un bagage qui pense que c'est un bagage différent, parce que il est contestable dès le départ, et toute décision, on va le contester tout. Et danger, je me rappelle pour Radio Pacifique, c'est la première fois que ça arrive à l'histoire, non. Il y a essayé de monter dans la position, ça, qui va jamais réussir ce travail, non. Il y a qui ce travail-là, il va la contester. Et que vous n'avez pas jamais qualifié de diriger vraiment. Donc, est-ce que vous êtes obligé de répéter les erreurs du passé pour ne pas emprunter d'autres chemins de préférence, chemins du consensus, du compromis politique, qui va permettre que le pays a pas entré dans la confrontation que chaque fois chef nous voulait mener, parce qu'il y a parfois des crises de folie qui pourraient vous penser que, donc oui, on est tout puissant, oui, on a le soutien de X ou de Y, donc adelanté nos bras. Non. Si nous dirigeons pour Haïti et pour les Haïtiens, pour chercher consensus ça, pour éviter, pour chercher, mettons, dose de sagesse la décision que nous prenons, pour que les décisions aient servi le pays pour renforcer le système démocratique que nous avons mis en place là, pour renforcer, on est capable de dire, des marches, travail, des progrès que nous avons essayé d'accomplir au fur et à mesure, pour stabilité, pour démocratie, pour stabilité et stabilité à capable de mener le progrès. Maintenant, et par rapport avec l'élément ça, toujours inquiet et par rapport à la réponse là, et Clarence Renoir, je dis à la concrètement qui ça ne qu'a fait, parce que on prend deux exemples. Il y a le décret que le président et Jovenel Moïse te prend sous sa gain rapport avec question sinu. Gagné décret qui gagné rapport avec code pénal. Gagné décret qui gagné rapport avec question et crédit bail. Et
toute société a et des monde qui n'a question droit yo dénoncer yo critiquer gien parler en pile qui fait gien période pays lock tout côté bloqué etc. Président sorti là dans il faut filer tête li et li sorti par rapport avec sa adversaire li yote vle quitter et c'était et j'étais régime tête calé a gien question budget et yo te relè le budget malaction et président passé budget a passé etc. C'est comme si presque toutes les décisions prise par l'exécutif de Jovenel Moïse, président de la République, eh bien, quitte yo ta à l'encontre avec la loi, quitte sa décision société à pas la fin d'accord avec yo, eh bien, yo prend yo passé. Maintenant, qui ça a empêché, maintenant, garde faiblesse opposition qui est face Jovenel Moïse là, que décision ça avec KPA, KPA ça pas venir là, lui fait élection, gagne environ 300 partis politiques qui inscrit déjà dans le ministère de justice, et parti politique ça venir faire élection, et puis, vous tendez, élection faite, yo mette parlement, et Kazek, Azek magistrat, délégué des villes, tout le monde est installé dans la pression. Bon, on va mettre des institutions qui n'ont pas bien légitimité en place, si c'est qu'on s'en va faire l'élection, on va donner n'importe quelle condition. Même, on a une petite solution qui est capable de faire. Même la pire des choses dans la vie, c'est l'homme qui a persisté dans l'erreur. Quoi que vous dites, quoi que vous expliquez, vous pouvez continuer à brailler jusqu'à ce qu'on entre dans le mur, et puis il capte trop d'aller ça. Écoutez, je suis sûr que les conseillers du président, et si nous avons une tradition haïtienne, non, pas par exemple du président que l'ailleurs, au contraire, c'est lui, bon, mais ça c'est justifié. Mais il faut que le président ait la société, effectivement, qui a tout le monde ça, qui le fait bouclier, qui dit non, il n'est pas bon, c'est pas comme ça, il veut faire, quand il y a l'autre gens, c'est tous les secteurs qui connaissent le. Ah, moi-même, je pense qu'il ne faut pas persister dans l'erreur, il faut que le président ait une grande consultation réelle, et pas gagner pour empêcher que le président ait arrêté ça. Écoutez, en juillet 2018, lorsque tu as eu une grosse crise, nous n'étions pas là, on a été brisé. Le président était obligé de prendre des décisions pour augmenter le premier instant. Alors, nous avons besoin d'une vie juste en clash comme ça. Mais il faut que le président entende que il y a des gens qui n'est pas d'accord, il y a des gens qui contestent. Tu sais, les élections pour les partis politiques. Même le parti au pouvoir n'est pas d'accord. Voir le parti d'opposition, ah ben, dans ce cas, c'est arrêté, on l'arrête. Nous, on est élus, nous dit, OK, eh ben, on nous fait un consensus pour nous faire nos meilleures formulations. Pour le conseil électoral et pour que le conseil électoral, ça, aux yeux de tout le monde, soit acceptable, soit crédible, pas seul parce que l'intérêt va être seul, mais parce qu'il est bon pour le pays, parce que nous voulons là dans des mondes qui n'ont pas créé confiance, parce que c'est capital confiance qu'on a besoin pour que la démocratie soit capable de marcher. Donc, il n'est pas question d'être orgueilleux, ni prétentieux, ni de se dire que c'est moi le chef tout puissant, et que sur terre je règne, sur cette terre d'Haïti je règne en tant que maître et en seigneur, mais je dirige pour un ensemble de composantes de société A qui ont des difficultés pour comprendre des marches d'ailleurs. Bon, on prend plus de temps pour m'expliquer, bon, on prend plus de temps pour me convaincre, et si je ne peux pas arriver à me convaincre, bon, on va dire qu'il y a un cas changé pour que la confiance que je fais maintenant ne soit pas perdue, ne soit pas délégitimée. Alors voilà, moi, je pense que c'est ça la solution. Autrement, l'autre solution, on connaît que je ne pas dans la ligne de pensée et d'action unie. Unir, penser que le dialogue, le consensus, capable de permettre de résoudre le problème, et non la confrontation, et non l'affrontement. Parce que ça a eu, il y a créé plus d'animosité, il y a créé plus d'antagonisme dans la société, a toujours, il y a créé plus de haine dans la société. Nous, nous voulons éviter ça. Nous voulons une société, nous souhaitons que notre société qui bâtit sur le dialogue, sur l'écoute de l'un et de l'autre, pour nous marcher dans la compréhension mutuelle, pour que les décisions que nous prenons, c'est des décisions qui permettent que le pays a fait des pas en avant, mais pas des bons en arrière. La monsieur Renoir, il y a une plus grande inquiétude qui gagne et son fait réel, nous n'est pas capable de nier. C'est que la population en a discours parle, est très pessimiste par rapport avec, comme tu as dit, yon révolution qui t'a faite dans la politique pays, comme si Mdadou. Tout le monde cap dit que l'élection pas qu'a fait avec le président Jovenel Moïse, tout le monde cap dit que c'est une dictature qui voulait établir. Mais si toutefois le président, comme l'a fait le conseil électoral, l'a organisé l'élection 2021, ou bien en fin d'année, ou bien en début d'année 2021, ou après chaque monde a le candidat à côté Payo, il a participé dans l'élection hein, et que n'importe ça crivé, on n'a pas obligé à accepter. Bon, ça c'est décision individuelle de parti, parce qu'il y a des gens qui. Chaque monde pense au grand destin, chaque monde pense au grand rêve, au grand objectif à atteindre. Pour nous, ce n'est pas grave, si vous permettez de dire ça.
Que mettre 150 candidats pour magistrat dans une commune Pétionville là, c'est pas un problème pour moi. Le problème, c'est que lorsque 149 candidats ont perdu, est-ce que d'accord, ils ont perdu? D'où la question de les vrais démocrates au besoin d'un pays. Monde qui passe, monde qui va monde pas créer problème, conflit. Vous mettez 300 candidats à la présidence en Haïti. C'est pas un problème, au contraire, vous êtes capable même de son vitalité de la démocratie. La démocratie est tellement vivante que mon envie d'une servie pays. Alors, bien dit, monde envie d'une servie. Mon qui a gagné attention sérieuse, c'est l'autre bagaille. Il y a un peuple à identifier. Monde qui a cherché l'autre objectif, leur envie de poser candidature. Mais le nombre de candidats n'est pas un problème, c'est la qualité des candidats qui compte. C'est-à-dire, moi, quand même, ouais, tout candidat, même j'avais candidat uni en l'aïe. Mais nous perdons l'élection, la dernière élection, et bien nous disons, partisans, merci beaucoup pour l'effort que nous avons fait pour nous, pour nous être capables de voter, pour nous faire voter. Nous perdons, nous avons pris la carrière comme parti politique, nous allons retravailler pour nous garder comment la prochaine élection, nous allons gagner, nous allons faire mieux, nous allons faire meilleur score. C'est ça que nous avons besoin dans le pays. Nous avons une culture de démocratie, nous avons une culture de la tolérance, de l'acceptation de la victoire de l'autre. Tant que victoire fait dans bonnes conditions, mais aussi une acceptation de son échec si on est si nous échouons, quand nous reconnaissons que nous échouons et que nous allons retravailler, que nous allons recommencer. Et quand on a dit qu'on comme fini, on n'a jamais gagné championnat de football qui finit dans le monde, car ici on est gardé en pile. Championnat en Europe, en France, en Italie, en Espagne, tout côté, ça fait au carré fini. C'est parce que les règles du jeu qui ont établi, et bien, qui est le champion, du bal point, le champion, ça fait du adieu. Waouh! Mais monsieur Renoir, qui ça qui empêchait exactement ça, me le faut comprendre, qui ça qui empêchait que toute partie ça yo, que ou dit qu'il a dû accepter et défaite yo, et puis et accepter victoire l'autre là, pour qui ça yo tout, puisque jugez que c'est PHTK qui est en pouvoir depuis et deux mandats déjà, ok, et qui d'après yo mette pays dans sa liya, pour qui ça yo même dans la prochaine élection qui va venir là, yo pas dit tête que y a fond bloc, yo tout ensemble, toute partie politique qui fait partie de l'opposition qui voulait en face et pouvoir en place là, yo ta font seul et puis yo voyons seul candidat en face et pouvoir en place là dans la prochaine élection. Qui ça qui empêche que vous faites consensus ça? Par contre, la capacité de faire consensus là, c'est incapacité, nous peut-être, enfin, pas incapacité, difficulté qui gagne dans le pays à trouver un consensus. C'est ça, on parle tout à l'heure là avec le président Jovenel Moïse. Bon, difficulté pour les gars à chercher consensus. Pour qui ça, président obligé à quitter son conseil électoral, dans la division, dans la chimie, dans la protestation, dans la contestation. Mais t'as qu'à chercher consensus là tout. Donc, si on est nous-mêmes liés, quand comme d'accord, quelque part, mon café politique, nous n'avons pas tiré le son de passé, nous n'avons pas gardé, gagner. En plus, raison, quand vous pouvez dire là que les partis politiques sont capables de regrouper, vous pensez que ça va arriver pas fait. Quand même, vous le faites déjà dans le passé. Vous le faites déjà dans le passé. En 1990, nous sommes j'étais dans l'élection dans le pays d'Haïti, mais je suis fréquenté dans le journalisme à peu près 2-3 ans. Il y a des regroupements de partis politiques qui étaient mis tête ensemble qui présentaient au seul candidat. Et il y a plus de cinquantaine de partis. Ça, ça le fait encore, vous pensez. Il faut que vous créez des relations interparties. Et pour que parti n'y ait pas des vases fermés et que vous avez ouvert à l'idée de coalition, à l'idée de mise en commun des forces. Par exemple, Mabdoujodia, Unir n'est pas un parti politique qui seul. Même si Unir a une pénalité pour aller à l'élection, Unir est un ensemble de particuliers, des blocs démocratiques qui regroupent une trentaine d'organisations et ces partis politiques. Rien ne dit qu'il ne va pas aboutir à une candidature unique qui a sorti dans ça. Donc, moi, quand on a privé vers ça, mais maintenant, pendant le chapitre de la clé, monsieur Noir, un dit conseil électoral qui est installé là, je vous dis, tu as décidé de faire élection et fin année ou bien début année prochaine. Et Unir et Bloc démocratique là, n'a participé, s'il vous plaît? Non, je vais déjà dire que je vais prononcer pour Bloc démocratique là pour le moment, parce que Bloc démocratique là sont ensemble de partis politiques et d'organisations. Et il faut que tu as sorti une note, un communiqué, qu'on soit que tu veux dire, mais ça après. Mais pour Unir, seul pour le moment, on a dit que Unir décidait déjà, non
nous faire dans les conditions de réalité actuelle là, plus en zoom qu'en présentiel, plus virtuel que en visioconférence que présentiel, mais la dernière partie a prononcé ni pour ne pas l'élection ni en condition actuelle de là. Mais ma vidéo ajoutons les bagages d'agir. En fait, moi qui gagne pour faire élection dans la condition ça. Alors, madame Kati, en fait, moi, vous faites élection, parce que je ne crois pas que nous arrivons dans la phase électorale là vraiment, dans ça, moi là. Par exemple, dans l'insécurité bien là, dans le Berlin, dans tout côté, ouais, ça me captive, tout ça, c'est une zone. On ne va pas faire élection dans la condition ça. Maintenant, en fait, moi, ça seulement, dans le dirigeant, ça me met moins, ouais. Moi, on manque de connaissance de la réalité politique haïtienne. Malheureusement, président Jovenel Moïse, dans tout le monde, qui était connu, suivre l'actualité politique PIA, qui déjà participé dans la vie politique PIA, à un titre, nous pouvons connaître que, attention, pays ça sont glissé PIA, attention, pays ça n'est pas capable de diriger le pourcontour, attention, pays ça faut user de sagesse pour capable briser passer passe difficile, pour pas aller en confrontation, ça ne sert à rien, pour ne pas quitter dans l'histoire d'un bilan beaucoup plus positif pour dire voilà ce que j'ai réalisé, mais au lieu de regarder. Même ça, ça fait mal, ça fait, c'est triste de voir que le président de la République ne peut pas arriver à passer une année de mandat tranquille dans la stabilité. Mais le président a monté sous pouvoir, c'est problème à problème, problème sous problème. Il y a deux reproches qu'on nous fait. Il y a une opposition qui est trop radicale, qui empêchait le président de au travail, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Sous-prend depuis 1986, notre expérience démocratique, c'est toujours même bagarre. Chaque fois qu'on est venu sous pouvoir, l'opposition qui est en Marie, nous sommes en 2000, président prétentionnel de la Parti nationale, on a le groupe qui a président de l'opposition prétentionnel de tout, ou l'autre côté. Donc, tu vois, mais pour que ça ne pas chercher consensus capitaux, pour qu'il ça, au lieu que dans la confrontation, c'est la bataille nous voulons pour aller. Et donc, moi-même, je pense que nous, pouvoir, le côté par l'extrême, opposition, on voulait mettre dans l'extrême, comme quoi nous sommes nation tout le temps qui est en état de guerre. Une guerre fratricide et peur. Non, faut chercher d'autres voies de solutions, des voies de dialogue, des voies de consensus et de compromis qui va permettre que, eh bien, voilà, nous faisons face à des difficultés, mais nous résolvons le problème dans l'apaisement, et pour permettre que ce secteur économique nous en travail, pour que lui crée emploi et nous permettre que le pays a joui. On sérénité, les bénéficier de progrès et pour nous permettre que nous résoudre le problème de tout le monde. Parce qu'il y a trop de misère dans le pays, il y a trop de monde exclu dans la société. Si nous ne pas capable de l'école après la rue toute la fin de journée, professeur pas de satisfaction, travail après, policier a fait des revendications. Mes amis, problème ça, l'autre cas résoudre dans la confrontation politique encore. Faut gagner une concertation entre les forces de ce pays, politique, sociale, économique, religieuse, morale, pour nous dire. Qu'est-ce que nous pouvons proposer à cette nation comme solution pour que nous ne pas entrer dans le massacre là, dans le foyer du feu qui lit de chaque côté et puis nous parler pour nous aller amener nous sur l'autre. Moi-même, je ne pas pour ça. Je pense que cette recherche de consensus là, là où dialogue, pour nous persister dans la nécessité pour nous faire dialogue ça, pour ne pas tomber dans la confrontation. Eh bien, merci à Bill Frère, la bonne journée, bon travail. Voilà, c'était avec nous et Clarence Renoir de Unir Haïti et nous regarder et pour nous donner ce dossier ça qui concernait la Cour des comptes avec le ministre PTCA ce bail qui est tête en bas Olivier Bouchereau bah on dit bah tête fait mal bah bon ici t'as plus beaucoup pas qu'on aime et monsieur et Boagédé qui fait et arrivé et dans tête et coup des comptes pour une deuxième année en tant que président et Koula et qui lui-même est à parler et nous avons rendez-vous pour nous faire parler avec le ministre de PTCA et pour nous garder version par là et maintenant comment ça est bon en tout cas on espère que d'arriver jouer le ministre là pour nous garder et comment ça y est bon à côté parler avec ingénieur qui Joasius Nader nous parle. Essayez de garder pour nous voir qui ça qui a fait par rapport avec situation et ici là et par rapport avec situation qu'il a et bien semble communication vraiment difficile et pour jeune ministre là avec une télé rendez-vous pour nous garder et quelques points parce que ben alors c'est compliqué Olivier. Ah bon, ici nous là pour nous informer ou par rapport avec ça qui gagne dans actualité haïtienne hein, et ceci. Objectif lancé et bah ou plus information
que possible, monsieur Saint-Éloi, eh bien, il fait 8h45, nous avons une petite pause tout petit, vraiment tout petit pause pour nous, capable de saluer. Comment dit-il, nous avons tout de suite. Ton référence BRH pour jeudi 24 septembre 2020, c'est 74,05 ou 1 dollar américain. N'a pas rappelé tout le monde. Ton référence BRH calculée et puis publiée pour journée 1, c'est résultat transaction achetée dollar qui fait dans la veille sous marché change là. Pas oublier, ton référence là disponible tout le temps sous site BRH là, www.brh.ht, sous compte Twitter BRH, BRH Haïti, ou soit au carré centre contact BRH là gratis dans 80D74. 74,05 ou 1 dollar américain. Maman, car on machine. Faut mister crash check, ça c'est Subaru. Boum boum, tapacat, ça c'est Subaru. Yes, grippe mon nez, gars du sol, Subaru. Boum, pas que prenne un wacha, aime le Subaru. Yes, faut mister crash check, ça c'est Subaru. Boum boum, tapacat, ça c'est Subaru. Grippe mon nez, gars du sol, Subaru. Yes, pas que prenne un wacha, aime le Subaru. Subaru, mettez-moi frais, mettez-moi. Chaise malaise moule soir qui machine lick swap jeune n'a pris ça yon machine japonaise wadi konnichiwa konnichiwa kado chassis machine en classe si c'est pas le viré gade les ma passe automata kado vitesse kado sécurité kodra pa ka passe kon Subaru toujours passe for mister crash check ça c'est Subaru voum voum kappa kat ça c'est Subaru je peux mon nez gars du sol Subaru Subaru pake prenant washa aime la Subaru Subaru for mister crash check ça c'est Subaru voum voum kappa kat ça c'est Subaru. Sous ta reme gon Subaru, même j'en avem, vin jwenn nou nan Automeka. Adresse 22 boulevard Toussaint Louverture sous route Ayopoa. Téléphone 2941-2544 et 2941-2545. Et sous net la, automeka.com. Ou gros machine, qui métier ou? Docteur, ingénieur, agronome, comptable, chômeur. Machine ou an, lè ou libre. Ou café ou libre. Ou libre son application qui tank ou Uber, que ou téléchargez sous téléphone ou, kap voye passager pour ou. Ou ap touche sans problème. Et si tout, ou pas besoin non jamais ak passager pour toucher. Qui donc, no contact. Téléchargez kounye a même, application ou libre pour chauffeur. Passager a gen application ou libre qui naï, ou même ou gen application ou libre qui naï. Fais ça kounye a. Ou ap ka téléchargez sous Play Store ou bien Apple, sans ouè. Et kounye a ou nan business. Ou libre pour kapi libre. W-O-U-L-I-B Woulib pour Capilib 49-35-76-76. Dans l'idée pour sensibiliser tout peuple haïtien sur importance nouveau 4 identification nationale, Office national identification, ONI, tamen yon campagne dans 4 coins pays d'Haïti. On y a profité rappeler tout le monde. Délai pour aller faire nouveau 4 identification nationale, c'est 16 octobre 2020. Cap vini là, Jean décret 18 juin 2020 a mandé ça. Qui donc, citoyens tout partout dans le pays, marché pressé, tout bureau on y déjà l'ouvri porte yo bien large pour recevoir demande yo et puis bay au service pressé pressé avec bon gens accueil. Ou doit marcher avec une pièce là yo. Baptiste, extrait d'archive, certificat baptême légalisé. Ou même madame mariée qui t'a remis mettre nom mari ou sous 4 signes. Songez marché avec avec acte mariage. Pièce d'identité si là, c'est en 4 multibiométriques. Ça veut dire, li fait à partir toute information sur moun kap fèl la. Tant kou, empreinte douette li, empreinte gel ak reconnaissance faciale. Mettez sous ça, li vini ak yon piste électronique qui donc, pa gen pièce possibilité pour faire faux 4 ça. Nouveau signe, fait rapide, facile ak yon matériel solide qui pote non polycarbonate, li résister ak glo, chalet, et puis bay yon garantie 10 ans. Tout citoyen à la ronde bade, doit dégager au coup mettre Jean-Jacques pour gen nouveau 4 signes avant date 16 octobre cap vini là. Pas oublier, aucun monde pas autorisé à le chercher 4 pour moun. C'est médecine seulement qui peut passer chercher dans bureau ONI côté le te fait là dans une période qui pas dépassé 8 jours. ONI a prêté l'ouvri 7 jours sous 7 pour servir population hein. Moun kap viv ak yon handicap gen priorité nan tout bureau l'ONI. Pas attendre date 16 octobre arrivé sou nou pour nan le faire 4 là. C'était un message Office national identification ONI. Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Bohème. Bohème vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, oriental, résolument tendance. Conseils déco ou commandes personnalisées,
le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situé à l'angle des rues Chavannes et Clairvaux à Pétionville, Bohème, sur Facebook et Instagram, à Bohème Boutique HT. Cadeaux, accessoires, mobilier, Bohème. Un peu de tout, de partout. Compagnie non en relais Pinson SA. Elle n'a pas aucun autre nom. Pas prendre un fomamite, pas prendre un imitateur. Directeur compagnie, c'est Tipinson Tetnob. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque deux ans, il est obligé de passer un examen pour voir si monsieur au courant des dernières techniques et des derniers produits qui gagnent sur le marché. Donc, Tipinson Tetnob, certifié comme spécialiste dans le combat du fait. Pinson SA. Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Glamour, fashion, tendance and vintage, Bella Boutique a la baguette magique nécessaire pour vous transformer en ce que vous voulez. Trouvez la tenue idéale à Bella Boutique qui vous laisse un large choix de marques pour un mode qui vous convient et qui saura répondre à toutes vos envies. Passez à la rue Panaméricaine, local Harry's Restaurant, suite 111 ou appelez au 42 64 03 03. Choisissez Bella Boutique pour se faire chic et se sentir unique. Côté Mono Capio rassemblé, côté Mono Capio rassemblé, il y a ici vivé dans un pays, il y a ici vivé dans un pays, nouveau chien en anglais, nouveau temps d'espagnol, nouveau thé en français, nouveau voilà. Côté Mono Capio rassemblé, côté Mono Capio rassemblé, il y a ici vivé dans un pays, il y a ici vivé dans un pays, Mono Capio. Bonne nouvelle! Tel Haïti vive au Cap avec 87 chaînes! Mouno Cap pral déchaîné! Passez près Tel Haïti pour là, la locale Access Haïti ou bien Aïnet qui pipe là! Ou carrément nous tout! La 2943 3000! Chut! Nous dit depuis la pli tombe tout l'autre disparaît! Nous même Tel Haïti n'est pas tout parapluie! Avin dit ça! Pendant pays États-Unis, Haïti et partenaires régionaux ont travaillé pour préparer une saison capotée en pile cyclone pendant la pandémie COVID-19. Nous avons déconseillé les migrants pour parler avant de prendre un bateau pour faire voyage dangereux sa yo qui a même la cause de la mort. Dernier groupe 266 Haïtiens qui ont été menés retournés au Cap Haïtien, après autorité Zile Tekken Kaikos Tekken Bebato et voyage, montrez-vous l'autre fois encore que c'est la peine pour nous risquer la vie dans le genre de voyage ici. Pays États-Unis partage des pays d'Haïti pour yon des meilleurs pour peuple. Et puis, nous continuons à travailler pour yon Haïti qui est plus sûr, qui a plus sécurité et puis plus prospère. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule. La vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. Il est 8h50, la Banque de la République d'Haïti a procédé ce mercredi au lancement d'un fonds de soutien aux coopératives en vue d'aider à la croissance de ces entreprises. Les coopératives revêtent une importance capitale dans le système financier haïtien, a fait savoir le gouverneur de la BRH. Cette initiative permettra également d'appuyer les coopératives d'épargne et de crédit en difficulté, selon Jean-Madène Dubois. Cette déclaration au micro de Wisti Jean-Baptiste et de David Mercius. Je dis à nous compter plus que 1,164,853 monde qui sont sociétaires dans la coopérative. Avantage qu'on gagne dans la coopérative, c'est que toute société, on n'a qu'à considérer c'est des actionnaires que y a. Et plus coopérative là qu'à profitable, c'est plus chaque actionnaire yo a profité. Ça, c'est le parfait exemple de ça nous t'a carrélé inclusion économique et inclusion sociale. Et il faut me dire que total actif coopératif qui est en Haïti monté à 17,7 milliards de gourdes. Mais ça qui est plus intéressant là-dedans, c'est que 17,7 milliards de gourdes là, à l'inverse du système bancaire, côté que majorité actif essentiellement dans
capitale là ou dans l'ouest. 17,7 milliards de gouttes, puis gros montant, ce n'est pas dans l'ouest que l'il y a. Sous 17,7 milliards là, nous gagnons 4 milliards de gouttes, 4,5 milliards de gouttes qui dans le département Latibonite. Et c'est Latibonite qui gagne plus partie active ça au niveau coopérative. Et l'ouest vient en deuxième position. Et au niveau des prêts, ce n'est pas dans l'ouest qui est plus près. Ce n'est pas dans l'ouest que coopérative fait plus près. C'est plutôt encore dans l'Artibonite. Et ça nous dit les résultats, il est trop perçu. Ce n'est pas dans l'ouest non plus que lié. C'est l'Artibonite qui est numéro 1. Le nord qui est numéro 2. Le sud-est qui est numéro 3. Et l'ouest vient juste numéro 4. À partir du 1er octobre prochain, les transactions interbancaires pourront se faire sans embâche par n'importe quelle personne qui le souhaite, pourvu qu'elle détienne un compte bancaire et une carte de débit. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la BRH lors d'une conférence de presse. Jabad Ndjoua indique que cette interconnexion est le résultat d'un long processus de discussion avec les différents acteurs du système bancaire. Écoutons. Nous-mêmes, dans la Banque centrale, nous comptons en pile que le que nous allons faire opérationnalité, ça n'est les opérationnalités, je parlais plusieurs fois de opérationnalité, que l'homme qu'on carte de débit dans même de institution financière, je ne pas obligé forcément, c'est dans l'institution financière ça que je prends comme moi. Si mon carte de débit, faut que je prends comme moi, dans n'importe quelle autre institution financière, n'importe qui ATM ou l'autre institution financière. Vous songez que je me parlé de ça déjà. Que je dis, si je n'ai pas une carte de mon banque, c'est dans l'ATM banque que je prends un compte. Eh bien, moi j'ai plaisir pour m'annoncer nous que l'opérationnalité a lié effectif depuis un bon bout de temps, mais de manière officielle à partir du 1er octobre. Mais ça qui fait plus plaisir, je dis, c'est que au monde qui a compte dans des coopératives comme Côté Lame, à Port-au-Prince, ou bien Coplesse, qui est en coopérative juste pour le paix, avec 4 de débit là, car aller n'importe qui côté qui go ATM, que ATM n'en pour banque ceci, pour banque cela, pour lui prendre compte. Et c'est ça que nous relais opérationnalité. Interopérabilité. C'est ça que l'y est. Ça veut dire qui ça? Nous ramasser toute institution financière. Pas une question de gros institutions financières, de petites institutions financières. Pas une question de petites coopératives ou de gros coopératives. Depuis, moi, dans le système financier, moi, on acteur autant, en fait, avec même capacité que me dans n'importe qui banque. Ben, il fait déjà 8h59 minutes. Nous prenons aller et cliquez nous. Nous sommes contents de vous matin. Et demain matin, nous allons recroiser encore moi-même, Moïse, Olivier. Non, pourquoi c'est pour nous capables de voter pour une autre édition. Qui est là? Oussou. Radio Pacifique. Pacifique. Pacifique.